en théorie, on est à la FD maintenant. Huh. Interesting. Salaud. Et maintenant, on est en live. Ooh. Ooh. Handshake is live now. Wow, wow, wow. Amazing it is. Amazing it is. Ça doit être vraiment gossant pour les gens qui nous écoutent en rediffusion. Genre à chaque live pendant les 5 premières minutes, on est genre oh wow, hey. La technologie. Nous sommes désormais en direct. Bon, je vais aller faire une petite tournée. Ça se dit-tu, on démystifie les mythes? Ah ben tu l'as dit, fait qu'on va démystifier les mythes. Ben j'ai vu que démystifier c'est un verbe. Fait que je me suis dit que si démystifier c'est un verbe, démystifions, ça se dit. Ouais, mais ça fait trop mimi. Démystifions. Écoute. Oui. Blame l'internaute au pire. Dieu. En marketing. En con. People and group. À chaque semaine, ils changent la manière que je peux partager. C'est weird. Facebook? Ouais. Genre le live, à chaque semaine, ça change comment est-ce que je peux le partager. Oh, Kalibin. It is weird indeed. What did you do? What did you do? I'm sorry. La fatigue. Comment ça s'appelle déjà le groupe? Pas résilience parce que c'est un groupe de marde. Mais attends, on va l'écrire quand même pour voir si... God damn. T'es vraiment rancunier, hein? Non. Ah, faut que je les cherche à la main. Fuck, ça va être long. Let's faire, it's okay. We started. Ok. Ah! Je peux partager sur des groupes que je fais même pas partie. What the hell are you doing, Facebook? I don't understand you. Je vais juste partager sur ma page d'abord. Voilà. Ok! Yep. First off, ouais. Première dans chose que live, je veux dire, en fait, je vais juste vérifier. Mais il était supposé avoir un décollage d'une fusée SpaceX. Ooh. Fait que c'est pas que c'est pas important le live, mais c'est quand même plus important de voir si elle a décollé la fusée ou pas. Ça va prendre 2 secondes, ok? Puis après ça, j'ai un petit talk à faire sur la COVID. Ah, puis moi j'ai un talk pour dire à quel point Nintendo c'est une compagnie anti-consumer. Sure. Oh non, il a fini le live. Fuck. Ok, fait que ça veut dire que ça l'a été abort. Fait que laissez faire, il s'est rien passé aujourd'hui à part un échec de lancement de fusée. Fait que tout est beau, tout est correct. Vas-y, go ahead avec Nintendo, parce qu'après ça, moi, c'est une petite claque. Puis en même temps, ça me donne le temps. Ok, je sais pas si vous suivez les nouvelles charmantes côté jeux vidéo, mais lorsque vous êtes une entreprise, essayez d'être le plus proche possible de vos consumers, puis de les écouter, puis de faire pas nécessairement qu'est-ce qu'ils demandent tout le temps, parce que des fois ils demandent n'importe quoi, mais tu sais, essayez de trouver un terrain d'entente avec votre communauté, quelque chose pour faire en sorte que les deux parties soient contents, le consommateur et la compagnie en tant que telle. Nintendo, malheureusement, eux autres, on dirait qu'ils détestent tout le monde. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ces temps-ci? Il y a plusieurs choses qui se sont passées. Un, ils ont cancellé un des plus gros tournois d'un jeu, un de leurs jeux vidéo d'il y a 20 ans qui s'appelle Melee, qui est un jeu qui est extrêmement populaire ces temps-ci. Mais, par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est eux, ils aiment pas ce jeu-là parce que le jeu était buggé peu à bas, puis ils pensent que les gens achètent pas la nouvelle version de ce jeu-là parce que la version de 20 ans est encore populaire, which is not the case. Donc, un des plus gros e-sport dans le fond, qui est comme Electronic Sports, dans le fond, c'est des compétitions. De jeux vidéo, dans le fond. Maintenant, à cause du COVID, c'est probablement juste en ligne. En fait, non, c'est juste en ligne. Il n'y a plus de gros événements dans des centres parce que tout le monde joue localement. Vu que c'est un jeu qui a 20 ans, qui datait de 20 ans, il n'y a pas d'option en ligne. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne de son plein gré tout seul, puis qui fait pas d'argent sur ça, a décidé
de faire quelque chose qui est 100% légal, de créer son propre programme pour pouvoir altérer le produit du jeu pour pouvoir jouer en ligne. Nintendo, eux, je sais pas si vous savez, mais ils détestent qu'on touche à leur IP, à leur propriété intellectuelle. Donc, dès qu'ils voient que quelqu'un qui touche à ça, ben, ils vont envoyer un cease and desist. Ils ont fait ça justement avec le tournoi. Ils ont dit, si vous faites le tournoi, on va vous poursuivre en justice. Puis, ils ont fait ça, ils ont fait Nice. ça, ils ont fait ça avec plein d'affaires. Puis, il y a aussi un autre streamer. Il a fait le plus gros tournoi. Il a organisé en fait le tournoi avec le plus gros prize pool de ce jeu-là ever. Pas encore, je pense, mais c'est sur le bord de l'atteindre avec près de 100 000 $ comme prize pool pour œuvre de charité. Donc, le gagnant, il donne 100 000 $ à l'œuvre de charité qu'il veut. Puis, Nintendo veut shutdown ce tournoi-là aussi. Parce qu'ils veulent pas que les gens promotent le fait qu'ils peuvent jouer en ligne depuis une manière que c'est pas eux qui l'ont permise sur un jeu de plus de 20 ans. Mais tu sais, ils n'ont rien fait pour le jeu, ils n'ont rien fait pour la communauté, etc. Donc, il y a ça. Le problème, ok, c'est que là, on parle d'un jeu de 20 ans, blablabla. Ils modifient leur propriété, c'est correct, c'est normal. I guess, c'est normal, ils sont un peu sévères, mais c'est leur propriété intellectuelle, ils font qu'est-ce qu'ils veulent avec. Mais l'affaire qui fait en sorte que c'est vraiment anti-consumer ces temps-ci, c'est que ben déjà ils ont aucun contact avec la communauté à part genre mettre leur publicité de jeux qu'ils mettent en mettant sur leur Twitter blablabla, mais ils interagissent sweet fuck all avec la communauté. Puis deux autres trucs aussi qui sont arrivés récemment, genre quand je dis récemment c'est les derniers mois, il y a un nouveau jeu qui est sorti, s'appelle Hyrule Warrior. En fond, ce jeu-là, il était sorti, ben, la journée de la date de sortie, il était sorti avant en Europe, en Asie, en Océanie, ben, dans le fond, dans toutes les continents de l'Est. Il était sorti en avance, mais il n'était pas encore sorti sur les continents de l'Ouest. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que certains streamers qui avaient commandé le jeu ailleurs pour le recevoir le jour même, eux autres, pour l'avoir en avance. Puis une fois qu'ils l'ont reçu en avance, vu qu'ils l'ont commandé à l'extérieur, ben, ils ont commencé à jouer puis à streamer. L'affaire, c'est que Nintendo, après ça, ils ont banné toutes les chaînes qui ont joué à ce jeu-là, vu qu'il n'était pas encore sorti en Amérique du Nord, mais il sortait dans 2 ou 3 heures, je pense, mais qu'il était sorti partout ailleurs dans le monde. Pourquoi? C'est littéralement de la pub gratuite qu'ils font pour le jeu, là. Ils sont en train de jouer devant des centaines de milliers de personnes pour dire, oh mon dieu, le jeu il est bon, allez l'acheter. Nintendo font juste faire fuck you, vous n'avez pas le droit de jouer. Ben, vous n'avez pas le droit de montrer que vous avez le jeu puis de partager le jeu quand il est sorti partout ailleurs dans le monde. Dernier truc qu'ils viennent de faire, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais sur YouTube, déjà c'est la catastrophe avec les musiques copyrighted. Fait que généralement, beaucoup de YouTubeurs, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils employaient des musiques de jeux vidéo. Parce que des musiques de jeux vidéo en tant que tel, c'est pas copyrighted. Sinon, ben, quand tu joues au jeu, ça veut dire faut que tu joues en enlevant le soundtrack du jeu, puis c'est pas, ça permet pas l'expérience optimale. Donc, la majorité des jeux permettaient que tu puisses écouter leur musique à cause. Ben, il n'y avait pas de trademark, copyright, whatever sur les musiques pour que tu puisses. Pas que tu fasses copyright strike sur YouTube en jouant à leur jeu. Mais qu'est-ce que Nintendo vient de faire? C'est que maintenant, tous les musiques venant de jeux Mario, Zelda et Pokémon, si je ne me trompe pas, les trois types de musiques qui étaient extrêmement beaucoup utilisées dans les communautés YouTube. Maintenant, sont copyrighted. Donc, si tu fais jouer une musique de ces jeux vidéo-là en tant que tel, c'est fini. Tu peux te faire copyright strike ou tu fais ton tout l'argent qui allait dans ta vidéo, mais c'est Nintendo qui va le réclamer. Ce qui est dégueulasse. Parce que, dans le fond, en utilisant cette musique-là, ben, t'as plusieurs trucs, ok? C'est la promotion gratuite pour la musique. Donc, t'entends cette musique-là. En mettant la musique de Mario. Bon, cette musique-là, elle te reste en tête, elle te reste en tête. Puis c'est comme, ah, elle est fun cette musique-là. Puis après ça, tu vas aller voir le jeu. Bam, tu sais maintenant c'est quoi le jeu. Puis peut-être que maintenant, tu as un sentiment d'attachement avec la musique puis le jeu. Puis tu vas commencer à aller vers les jeux Mario. Tandis que là, ils font juste tirer dans tout le monde qui essaie de promouvoir leur jeu. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est que tout le monde va avoir peur après ça de jouer à leur jeu, écouter leur musique, partager les valeurs, etc. Puis ça va finalement finir par, ben, plus personne de vouloir consommer les produits Nintendo, plus personne. Ben, en fait, il y a sûrement beaucoup de monde qui vont commencer quand même à en consommer à cause de nostalgie, puis bah, puis ils s'en foutent. Mais il y a beaucoup de monde ces temps-ci qui sont en train de justement boycotter Nintendo à cause des mesures qu'ils sont en train de prendre ces temps-ci. Une autre affaire, je pense qu'ils ont cancellé un tournoi Splatoon parce qu'ils supportaient le mouvement de l'autre jeu que j'ai parlé tantôt. Donc, ça arrête plus, là. Ils font juste, à chaque fois que un fan ou whatever, un streamer fait quelque chose, Nintendo, il envoie ses ninjas pour tout de suite canceller ça, cease and desist. Donc, c'était mon rant de la journée. Nintendo, une des compagnies les plus anti-consumer que j'ai vu de ma génération, puis regarde. C'est ça qui est triste parce que
parle en tant que personne qui consomme en général leurs produits, qui joue à leurs jeux. Donc, je trouve ça triste que une compagnie avec laquelle, tu sais, on s'est attaché, on a grandi tout ça, nous déteste autant, nous, les consommateurs. All Donc, right. maintenant, on va passer à des trucs plus joyeux, des mythes de Noël. Non, j'ai pas fait mon rent moi aussi. Oh, c'est ton maître! Renting time! Renting time. Mais félicitations, c'était vraiment bien apporté puis bien expliqué aussi. Il n'y a Merci, pas eu de merci. mauvaise expression, genre se mettre la tête dans l'autruche ou beurrer ses toasts des deux côtés. Ouais. Puis... Se ok. tartiner la sardine. Se tartiner la sardine, ouais. La première chose que je voulais dire. Là, je parle surtout aux gens qui sont soit là ou qui réécoutent, ben, en fait, aux gens qui écoutent le live en rediffusion ou pas, là, who cares? Je ne sais pas combien de personnes est-ce qu'on va toucher avec ce live-là, mais je veux utiliser notre notoriété-ish qu'on a. Pour véhiculer un message qui est, ben là, si vous vivez pas en dessous d'une roche depuis les dernières semaines, Nawel, ça a été annulé en quelque sorte par Papa Legault. Puis, qu'est-ce qui est ressorti de ça? Oh boy, oh boy, oh boy, il y a eu plein d'affaires, OK? En même temps, là, il s'est passé plein de trucs. Il y a eu à Rosemère, si je me rappelle bien, il y a eu une gang de personnes qui ont fait un party pas de masque à l'intérieur d'un centre commercial. Oh my God. Là, la dernière nouvelle qui est sortie, c'est le groupe, un groupe de personnes qui défendent les anti-masques qui ont fait un party de Noël dans un garage. Écoutez, OK? J'essaye d'être gentil de temps en temps. J'essaye de pas être trop savage puis sec. Je sais que je me ferai pas d'amis avec ça si je parle de ça de cette manière-là. Beast. Mais il faut que j'en parle parce que ça me frustre au plus haut point. Okay? Comprends, c'est bon. Ça, là, eux, ils s'appellent, ils se considèrent comme étant des farfadets parce qu'ils veulent pas admettre qu'ils sont autre chose que des personnes qui promouvoir des théories conspirationnistes, OK? Si tu portes pas de masque, allez voir la vidéo, là. Je vais pas la link parce que je veux pas leur donner de views. Je sais, je me contredis en disant d'aller la voir, mais si vous regardez ça, si vous regardez cette vidéo-là, c'est des rednecks québécois du plus haut niveau. Genre, il y en a aucun qui a dépassé le niveau de primaire, OK? C'est absolument stupide. Qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qu'ils disent dans la vidéo. Puis, legit, là, genre, le BS que tu vois avec son 2 litres de coke, qui se promène, qui a ses taches de cigarette sur sa camisole blanche avec sa tache de moutarde, c'est eux autres. C'est exactement eux autres qui sont là. Fait que là, je m'excuse plus ou moins aux personnes qui croient qu'être anti-masque, c'est bon dans la vie. Oui, OK, si ça brime vos droits et libertés, c'est correct, porte pas de masque, mais sors pas de chez vous. T'sais, moi, je préfère me faire dire que j'ai porté le masque pour rien, mais en pensant que j'ai potentiellement protégé les gens de quelque chose qui aurait pu être dangereux, que de me faire dire que oui, OK, mes droits et libertés n'ont pas été brimés, j'ai pu faire le party, puis me promener n'importe où, puis manger n'importe quoi, aller dans les restaurants, faire du karaoké à Québec. Puis risquer de propager quelque chose qui peut tuer plusieurs personnes. Tu sais, je préfère être du côté où est-ce que on limite les risques. Tu sais, fait que là, je veux juste dire à toutes les personnes qui souhaitent fêter Noël pareil, OK? Selon les statistiques, il y a 60% de la population, ça a peut-être changé depuis, mais il y avait 60% de la population qui disait au Québec qui allait ne pas fêter Noël en famille, puis qui allait rester chez eux durant Noël. S'il vous plaît, faites partie de ce 60%-là. Restez chez vous. Faites pas le party. C'est pas parce que vous connaissez quelqu'un que vous savez nécessairement que cette personne-là, elle a pas la COVID. J'ai eu la COVID. Je sais qu'est-ce que ça fait. J'ai vu ma famille qui l'ont eu. Puis, honnêtement,
Ça fait peur, OK? Y a un certain moment où est-ce que je me disais, bah, c'est pas si pire. Puis après, mes parents avaient l'air morts pendant au moins une semaine. Puis ça fait... En tout cas, moi, j'ai vraiment pas aimé cette expérience-là, surtout que je suis un gars qui fait vraiment attention, puis c'est mes parents qui me l'ont ramené. Mais si je peux éviter à au moins une personne dans mon réseau de faire un party de famille durant Noël, ça va déjà être une personne de plus qui va être en santé, puis qui va pouvoir réduire la propagation du virus. Puis je vois que ta main est vide, puis tantôt, go ahead. Une autre chose, tu sais, on parlait tantôt justement de redneck on parlait beaucoup de redneck qui propageait de comment t'appelles ça, les conspirations, whatever, à propos du masque, la COVID, etc. Mais l'affaire là, c'est que j'ai vu aux États-Unis récemment, il y a un événement qui s'est passé. J'imagine que, bah, toi, Olivier, j'imagine que t'as déjà entendu parler de Jake Paul. Yeah, bah, il est un peu stupide ce gars-là en vrai. Puis. Dans le fond, déjà, c'est un des plus gros YouTubers de la plateforme YouTube. Puis, cette personne-là est un très grand sujet de controverse, généralement, parce qu'il est un peu imbécile. Puis, il fait des mauvaises décisions la plupart du temps. Comme, mettons, je sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait le mouvement Black Lives Matter, que tout le monde faisait des grosses manifestations aux États-Unis. Ben, lui, pendant que tout le monde faisait des manifestations, ben, il a été vandalisé puis volé des affaires dans des magasins. Il est multimillionnaire, ce gars-là. Mais il a fait du vandalisme, blablabla, il s'est fait arrêter. Tellement N'importe quoi. Mais là, c'est encore. C'est pire? Non, c'est pas pire, mais c'est pas mieux, disons. OK. Il y a eu un combat de boxe récemment, je pense. Il y avait un genre de truc de boxe organisé par. C'était par Ah, avec qui? Mayweather, ça s'est déjà fait? Non, Mayweather, c'est avec Logan Paul. Mais c'est pas encore Ah, Logan arrivé. Paul. C'est Ouais, il est pas avec. plus smart Je que pense l'autre, mais... Mike Tyson, c'est avec Mike Tyson. Mike Tyson a fait un tournoi. Ou pas un tournoi, là, mais un assemblement de combats. Je sais pas comment ça s'appelle. Je suis pas vraiment la boxe. Il a gagné son combat contre un joueur de la NBA. Ou ancien joueur, whatever, who cares. Puis, quand il a gagné, il est rentré à sa maison pour faire un huge party. Personne portait de masque, rien. Puis il a fait un huge party. Quand je dis huge, là, c'est j'ai vu des vidéos, des stories, whatever. Rempli, rempli, rempli de monde dans la maison à rebord. Des YouTube célébrités, blablabla. Ou des célébrités en général. Ils sont tous là en train de faire la fête. Puis Jake Paul, après ça, il a fait son discours comme quoi il disait que la COVID, c'est un mythe, puis ça n'existait pas, puis blablabla. Ah, oh, nice. Ah, oh, nice. Yep. Fait que c'est Mais juste pour bref. dire, tu sais. Le problème avec ça, c'est que contrairement au redneck, lui, il a un degré d'influence. Non, c'est fou, là, il y a plus de. Au moins, Les rednecks aussi? Les rednecks aussi? Ouais, C'est fou. aussi. Ok, il y en a aussi, je suis d'accord. Mais l'affaire, c'est que lui, là, il y a plus de 50 millions de 50 millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y a à travers le monde. Peut-être même plus, j'ai dit 50 millions de même, là. Je pense qu'il y a genre 25 millions juste sur YouTube. Fait que j'imagine pas sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur you name it, TikTok. Fait que cette personne-là, là, elle a du reach à travers la planète, puis elle fait juste montrer à tout le monde qu'il faut pas s'inquiéter de la COVID, que c'est pas quelque chose de sérieux, puis faire un party comme ça, c'est normal dans des temps de même. It is not. It is absolutely not. Puis c'est pas un exemple. Le pire, c'est que lui, son target, c'est les enfants généralement, puis les jeunes ados, peut-être les ados un peu plus vieux. Fait que, ben, en plus de ça, ils montrent le mauvais exemple à la future génération. Fait que c'est eux qui font pas attention à blabla, puis eux, ils souffrent pas nécessairement du COVID, mais s'ils font pas attention, ils vont le Ouais, propager aux mais autres s'ils attends, suivent on pas. va se le dire. Ils ont déjà la mauvaise influence, ils ont parti de TikTok. Déjà, tu pars avec deux prises quand tu fais partie de la Wow. génération qui utilise TikTok. Wow, wow, In wow. Écoute, my honest opinion. on peut tout dire n'importe quoi sur les zoomers, mais on a été des zoomers dans notre propre genre, ok? Et si on va les regarder dans notre Facebook 2011-2012, Olivier, là, je suis pas mal sûr qu'il va être aussi pire que TikTok en ce moment, fait. Je jouais à Farmville. Je jouais à Ninja Saga, puis je me créais plusieurs comptes Facebook pour être mon propre ami. Ça, c'est triste. Un peu. Mais bref, le message qu'on veut envoyer avec ça, c'est pas de vous taper sur les doigts ou quoi que ce soit, c'est juste, tu sais, pensez-y. Regardez, si vous voulez faire votre party de Noël, faites-le. C'est pas moi qui vais aller vous stouler à la police, j'ai autre chose à faire.
Mais comme je vous dis, je préfère être du bord où est-ce que j'ai pris plus de précautions, puis au pire, j'en ai pris trop, que de pas en prendre assez, puis que ça ait des impacts négatifs, puis qu'on soit encore en confinement jusqu'en 2024. Fait que ça clôt pas mal le sujet sur la COVID. L'autre chose que je voulais qu'on parle, c'est un article de Les Affaires qui a été publié aujourd'hui à 9h22. Puis, ce que ça dit, dans le fond, c'est qu'il faut s'attendre à une augmentation du prix dans les épiceries. Fait que tous les produits, tout ça, il va y avoir une augmentation des prix. On s'y attendait, mais on n'avait pas de chiffres. Parce qu'en général, si vous le savez plus ou moins, ou si vous ne le savez pas, à chaque année, il y a ce qui s'appelle de l'inflation. L'inflation, ce que ça veut dire, c'est que 1 $ n'a pas le même. Tu ne peux pas acheter autant de choses avec 1 $ en 2020 que tu vas pouvoir acheter de choses en 2025. Si je peux, c'est peut-être les mauvaises années que j'ai prises. Quand vos parents, vos grands-parents vous disent dans mon temps, ça me coûtait 25 sous m'acheter des bonbons, puis maintenant ça te coûte 3 piastres et 10 pour la même quantité, c'est ça l'inflation. Okay? C'est que la valeur de l'argent, là c'est sûr, c'est vraiment là, exprimé au Bref. plus bref, mais c'est ça le concept de l'inflation. Puis il fallait s'y attendre à un pourcentage d'inflation qui peut potentiellement être plus haut dans les prochaines années, vu que ben, il y a eu la PCU, il y a eu plein d'affaires. Puis les commerçants, t'sais, il faut qu'ils augmentent les revenus. Puis là, ben, on a des chiffres. Fait que des chercheurs canadiens du secteur de l'agroalimentaire s'attendent à une hausse des prix supérieure au taux d'inflation allant de 3 à 5 %. Ce que ça veut dire, c'est que il va avoir le taux d'inflation normal qui va être déjà haut. Puis en épicerie, il va falloir ajouter 3 à 5 % en général sur l'inflation. Je parle des chiffres, mais c'est quand même important. Parce que tout le monde fait l'épicerie, tout le monde achète, tout le monde se nourrit. En principe, si vous ne vous nourrissez pas, vous n'êtes pas là à écouter le live parce que vous êtes mort. Fait que si c'est pas vous qui vous occupez d'acheter les trucs à l'épicerie ou vous encouragez des épiceries fines, who cares? L'inflation, ça frappe partout, là, c'est la monnaie canadienne. Fait que ce que je veux dire, c'est important, si vous êtes un monsieur, madame, tout le monde, de prendre connaissance de ça, puis de faire des réserves de trésorerie pour être capable de trésorerie, faire des réserves d'argent pour être capable de subvenir à vos besoins. Parce que ben, ça risque d'être une méchante claque qu'on va recevoir en 2021 puis en 2022. Bon, ça fait désormais presque une demi-heure qu'on parle, puis on n'a toujours pas démystifié aucun mythe. Surtout qu'on voulait faire démystifier des mythes à propos de Noël, mais qu'on l'a pas mis dans le titre. C'était pas nécessairement à propos de Noël, parce que les mythes, c'est plutôt à propos du marketing. Marketing. Là, il y avait une question justement qui a eu sur Facebook. Ça ne m'a pas été destiné nécessairement, mais je l'ai vu. Puis j'ai pas le temps d'aller la rechercher, mais ce que ça disait dans le fond, c'était une personne qui demandait lorsqu'on vend des produits en ligne, est-ce qu'on est mieux, mettons, d'utiliser Facebook ou Instagram? La question était dite comme ça. Ok, je sais qu'il y a 1 million de sortes de compagnies ou de CMS que vous pouvez utiliser pour faire des ventes, mais là, la question, c'était par rapport à Facebook et Instagram. Selon toi, Alex, t'en penses quoi? Est-ce que tu favoriserais un des deux? Moi je pense que je favorise Instagram. OK, pourquoi? Ok, attends, quand tu parles de générer une vente à partir d'un réseau social. Ben, déjà là, sur Instagram, tu as les influenceurs que tu peux payer. Which is not really a thing on Facebook. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de promotions sur Instagram en tant que tel. En plus, maintenant, je sais pas si vous avez vu, il y a eu la mise à jour sur Instagram parce qu'il y a la section boutique. Donc, vous pouvez plugger vos propres articles sur vos photos, puis les gens, ils cliquent sur le truc, bam, ça va dans la boutique, vous pouvez l'acheter depuis là. C'était de Donc, ça qu'elle faisait référence. Fait que je pense pas qu'elle faisait référence nécessairement à la publicité. Mais si on parle. Mais c'est vrai, tu as entièrement raison. Là, pour la publicité, on peut aller chercher des influenceurs, puis ils ont un plus grand impact que sur Facebook, mettons. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Est-ce que je t'ai un peu coupé? non, rien à dire à part le fait que, tu sais, comme on a dit souvent ici dans le live, la manière la plus facile généralement de faire une vente, c'est de simplifier le chemin le plus possible pour l'acheteur.
Donc, si on voyait une photo, tu es comme, ah, ben, il est bien beau ce chandail-là, j'aimerais ça l'avoir, puis que tu veux juste cliquer sur le chandail, puis tu peux l'acheter après, ben, oublie ça, le chandail va se vendre de même, parce que on aime ça, pas surconsommer, c'est quoi le mot déjà? Ben, faire un achat propulsif, pas propulsif. Le mot, je l'ai oublié, compulsif! Propulsif. Ok, sure. Des achats propulsifs, C'est ça, fait qu'il y a beaucoup d'achats compulsifs, voilà. Fait que si tu veux juste appuyer pour acheter quelque chose que tu vois, ben oublie ça quand tu es sur Facebook déjà là. Ben, il y a une section boutique aussi sur Facebook, mais pas mal moins utilisée en tant que telle. Pas mal plus difficile d'accès. Mais je pense sur pas que les pages. sur les pages, ouais, mais je pense pas que tu peux le link directement aux photos, non? Non, les photos, tu peux pas. Mais moi, ce que j'avais répondu à cette personne-là, c'est sûr que il y a mille et une façons. Ça, c'est un des premiers mythes, OK? Si quelqu'un vous dit, voici la recette magique, puis ça, j'en vois tellement, là, vu que je suis en marketing, puis je partage, j'écris, je clique sur du marketing, ben, les publicitaires, puis les compagnies qui veulent me cibler pour me vendre la pub, en général, c'est toutes des e-books, là, des livres électroniques sur comment faire plus de ventes en 2022. Voici la recette magique gratuite où est-ce que tu fais juste copier, mettre ton nom, puis pou, 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 tu vas faire 50 000 emojis de fusée, emoji Mais c'est tellement dumb parce que la raison pourquoi ça marche pas de même, c'est parce que ton produit en tant que tel. Bon, regarde, déjà là, ça dépend c'est quoi ton produit. Ça dépend après ça, ton produit est destiné à qui? Que ce soit l'âge, que ce soit le sexe, que ce soit. Je pense que sur Facebook, tu peux même viser. Ben, tu peux targeter des veufs. Fait que c'est tellement dark, mais tu peux faire ça, tu peux faire en sorte que ta publicité soit mise en place pour les personnes veuves et veufs. Donc, que leur mari ou que leur femme est morte. Ouais, pas la Fait viande. que, ouais, fait que tu sais. Fait que tu sais, Excuse-moi. il y a tellement de facteurs. Si veuf, ça peut être un facteur. Imagine le nombre de facteurs qu'il peut avoir en tant que tel qui peuvent influencer votre vente. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleure, il y a pas de meilleure technique en tant que tel. Ça dépend entièrement de votre marché, de votre marché cible, de votre produit, etc. Ça dépend de ta communauté aussi, Et de parce ton que. budget. Et ton budget. C'est ça, parce que là, on est dans le temps des fêtes. Il y a plein de micro-entreprises qu'eux, ils commencent à vendre leurs affaires, puis ils essayent de faire de la publicité. Ils essayent des affaires pour vendre plus de trucs. Une des choses que ces personnes-là oublient, c'est la force des groupes. Je sais pas si vous faites attention, mais sur Facebook notamment, il y a plein de groupes. Il y a des groupes qui sont. Pour chaque sujet qui existe sur la planète, là, tu as au moins un groupe Facebook qui existe pour ça. Okay? Puis, sur chacun des groupes, ce que ça fait, c'est que c'est des personnes qui sont dans ton marché cible. Mettons que toi, tu cibles. Non, pas les veufs, ça, c'est poche. Mettons que tu cibles, genre, les personnes qui aiment faire des. Ceux qui mangent leur sandwich avec la moutarde seulement sur le pain d'en C'est précis en tabarouette. bas. OK, mettons que tu cibles les gens qui mangent leur sandwich avec la moutarde sur le pain d'en bas. Tu peux aller cibler ces gens-là plus facilement en accédant à des groupes, en cherchant, mettons, pas nécessairement des groupes précis sur le groupe des gens qui mettent de la moutarde seulement sur le pain d'en bas quand tu fais des sandwichs, mais plutôt sur les amateurs de sandwichs ou des restaurateurs ou quoi que ce soit. Fait que tu vas être dans le domaine de l'alimentaire. Okay? À contrario, si tu fais juste de la publicité ou est-ce que tu payes Facebook, oui, ça peut aller super précis, mais il faut que tu payes pour déterminer. Attends, je recommence. Il faut que tu payes pour affiner ton marché cible. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais une publicité Facebook, la première fois que tu en fais une, ça recommence à chaque campagne que tu fais. Okay? Parce qu'à chaque campagne que tu fais, tu vas cibler nécessairement des personnes qui sont différentes ou dans un état différent ou de. Ça change tout le temps. Okay? Fait que quand tu commences ta première publicité, attends-toi pas à faire des ventes. C'est quasi
Impossible. Les chances de faire de l'argent, d'aller chercher de la clientèle avec ta première publicité, c'est quasi nul. La raison pour ça, c'est que Facebook, il commence comme ça, puis il prend tout le monde. Okay? Tu vas lui donner, mettons, genre, je sais pas, là, 20$ par semaine pour une publicité. Fait que lui, il prend ton 20$, puis je te passe comment ça fonctionne, mais il va aller mettre des publicités un petit peu partout sur Facebook, selon les limites que toi t'as mis. Puis là, après ça, bien, tu vas voir des résultats. Ce qui se passe avec ça, c'est que les gens, ils vont voir une fois ta publication. En général, le taux d'impression, ça va être autour de 1, 2, 1,5, mais ça ira pas plus haut que ça parce que c'est un échantillon qui est quand même énorme, avec en général un budget qui est raisonnable. Tu sais, pour que les gens y voient plusieurs fois ta publicité, il faudrait que tu t'investisses genre 10 000 pièces dans ta première publicité. Fais pas ça, c'est cave. Puis une autre affaire, c'est pas parce que tu mets plus d'argent dans une publicité que ça va te rapporter plus d'argent nécessairement. OK? Ça, on va se le dire. Donc là, tu as donné de l'argent à Facebook. Facebook, il te dit merci beaucoup de me nourrir. Puis là, il partage ta publicité à plusieurs personnes qui sont dans les limites que toi, tu as mis quand tu as créé ta publicité. Là, ils voient la pub, il y en a qui interagissent, il y en a qui cliquent, il y en a qui répondent. Il y a ma tante Ghislaine qui se dit félicitations. Parce que j'avais pas d'inspiration pour le nom. Puis là, après ça, une fois que ta campagne elle est terminée, qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois regarder les résultats que tu as obtenus. Okay? Fait que tu vas voir Facebook qui te donne toutes les stats que tu veux, il les a. Okay? Si tu capotes sur les chiffres, Facebook, il va t'en pitcher partout. Tu vas avoir les pourcentages par âge de personnes qui ont interagi. Parce que toi, tu te dis peut-être mon marché cible, les mangeurs de sandwich avec la moutarde en bas, sur le pain d'en bas seulement. Peut-être que toi, tu te dis c'est des personnes de 35 à 45 ans seulement qui vivent au Québec. Mais turns out qu'à l'intérieur de ça, c'est les personnes qui ont entre 25 et 36 ans très exactement qui répondent le plus à tes publications et qui cliquent sur la pub pour se rendre jusqu'à le site web de moutarde ou de détendeur de moutarde que tu essayes de vendre. Je suis vraiment désolé pour l'exemple. Puis plus ça va, plus tu vas aller chercher puis voir c'est quel sous-groupe qui répond le plus. Pour te donner un exemple, nous, on a fait affaire avec une compagnie financière, puis eux, ils nous avaient dit que c'était entre 35 et 65 ans au Québec qui ciblaient. On a remarqué que les personnes qui répondaient le plus, c'était entre 35 et 45, mais ceux qui cliquaient le plus c'était pour un événement, dans le fond, là, ceux qui s'inscrivaient aux événements, c'était dans la tranche plus élevée. Donc, c'était les 65 et plus. Fait que merci de bailler, ça me confirme que c'est poche, qu'est-ce que je dis. Non, pas du tout. C'est juste que j'ai dormi genre 2 heures cette nuit. Fait, tout ça pour dire que vous pensez que vous avez un marché cible. Facebook, quand vous mettez de l'argent dedans, dans votre première publicité, ben en fait, vos premières publicités, ça affine votre marché cible pour savoir exactement c'est quelle partie de votre marché qui va répondre le plus, puis qui va faire en sorte que vous allez pouvoir avoir un meilleur retour sur votre investissement lors des prochaines publicités que vous allez mettre en ligne. Ce que je voulais en venir avec ça, c'est que l'utilisation des groupes, ça vous permet d'avoir une idée. Parce que vous pouvez vous dire, je pense que c'est ça mon marché cible, mais que quand vous faites de la publicité sur Facebook, il n'y a personne qui interagit. Vous n'avez rien. Zéro, sweet, nada, fuck all. Okay? Il n'y a personne qui interagit. Tout le monde s'en fout de mettre sa moutarde sur le pain d'en bas. Eux autres, ils veulent juste qu'il y ait de la moutarde dans le sandwich. Okay? Tu t'en fous où ce que Bande tu veux. de fuckers. Fait que ce que vous pouvez aller faire, c'est vous rendre sur des groupes, comme j'ai dit plus tôt. Puis ces groupes-là, ben, c'est gratuit, c'est des groupes. Puis en général, il y a des règles, donc pas d'autopromotion. Mais il faut être plus smart que la personne qui gère. En général, sur les groupes, ce que vous allez voir, c'est des gens qui participent à des groupes et qui font de l'autopromotion.
Genre, moi, présentement, qu'est-ce qu'on a fait avec le live? On a fait de l'autopromotion. On l'a partagé sur plusieurs groupes. Si vous regardez, ben, il y a 19, ben, je ne sais pas si c'est tout moi les 19, très probable. On l'a partagé dans Oui. plusieurs groupes. Puis peut-être que vous, si vous écoutez le live présentement, c'est parce que vous nous avez vus dans un groupe. C'est exactement ce qu'on fait. Si on le partage pas, notre visibilité est réduite de genre 80 %. Okay? C'est pas parce qu'on est des crooks, c'est parce qu'on n'a pas le choix de faire ça. Si on veut avoir autant de résultats, sinon, ben, il faut payer sur Facebook. Puis, ben, quand tu as l'occasion de ne pas payer pour quelque chose, ben, tu le fais. C'est juste cave de payer pour le même résultat, right? Donc, c'est pour ça que les groupes Facebook, c'est super important. Puis, il faut en suivre le plus possible. Mais attention, qui respecte votre marché cible. Donc, si vous vendez, on va essayer de parler un petit peu plus au type de personnes qui pourraient nous écouter. Si vous êtes en restauration, si vous vendez des produits alimentaires, ben, suivez des groupes qui parlent d'alimentation, des groupes de cuisine, des recettes faciles ou des groupes d'agroalimentaire, des fermes, whatever. Si vous, c'est la confection de vêtements, ben, allez sur des pages de vêtements. Il y en a plein. Il y en a plein des personnes qui confectionnent. Entre autres là, pour le simplifier pour vous tous, c'est comme faire des soirées de réseautage, mais depuis chez vous. C'est littéralement ça. Fait que dans le fond, les gens généralement ils s'en vont dans ce groupe-là pour connaître les produits des autres, whatever, ou les intérêts des autres, etc. Puis ben, c'est là que toi tu strike, puis tu fais comme, hey, regardez, il y a mon produit, blablabla. Puis je sais pas si vous savez là, mais moi quand je me mets dans une soirée de réseautage, je me rappelle juste de ceux qui sont intéressants. Fait que c'est la même chose aussi sur un groupe. Si votre post, c'est de la grosse marde, on va dire. Bon, puis Si votre post en tant que tel, c'est de la grosse marde, puis que vous, tu sais, admettons, vous êtes même pas dans le bon groupe, pas dans le bon type de groupe, puis il n'y a pas la bonne tranche d'âge ou whatever, ou c'est juste straight up garbage ce que vous venez de poster, puis il n'y a personne qui. Genre, le gars, il a envie de vomir en voyant votre publication. Ben, ça se peut que ce soit pour ça aussi qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de personne qui venait vous voir, blablabla, puis qu'il y a, mettons, le post qui va être partagé 30 secondes après vous, ben, il va avoir tout l'engagement du groupe au complet. Donc, il faut faire attention, il faut que tu analyses aussi. Tu sais, ton post aussi, il va être super beau, super clean, whatever, mais il peut aussi ne pas être adapté pour la communauté dans laquelle tu postes. Comme moi, tu sais, en tant que tel, je me considère relativement bon en graphic design, ok? Puis il y a des affaires que je vais faire qui sont beaux pour certaines personnes. Puis ils vont faire, ah oh non, non, mais nous on préfère ce style-là. Moi je suis comme, l'avantage c'est juste arc, c'est comme le style des années 90 ou whatever, même encore plus loin, c'est vraiment pas beau. Mais je vais le faire, tu sais, c'est ça qu'ils me demandent, c'est ça que je vais faire. Fait que tu sais, c'est pas parce qu'en tant que tel que vous trouvez que votre publication est belle ou whatever, ou que votre texte est pertinent, que ça va fonctionner avec le groupe dans lequel que vous partagez, parce que. Je sais pas si vous le savez, mais chaque personne a une opinion différente. Chaque personne a des préférences, des goûts, etc. Donc, c'est pas parce que pour vous c'est parfait que ça va l'être pour la personne d'à côté. Comme, regarde, on va dire quelque chose de complètement de même. J'aime Dragon Ball, je suis pas mal sûr que lui s'en calisse. There you go. Oui. Et voilà, donc c'est pas mal la même chose pour lui. Son microscope, moi je comprends toujours pas pourquoi il s'en a acheté un pour regarder les bactéries de l'eau, mais lui il aime ça. Ah, ça me jette sur les rails. C'est d'accord. J'accepte. C'est cool de checker des trucs sous le microscope, ok? C'est pas moi qui ai parti la COVID, je vous le promets. C'est les Chinois. Wow, and check does not C'est pas vrai. endorse this. Handshake does not endorse this. Donc, tout ça pour répondre à la question que j'avais vue sur Facebook. Si on a le choix entre Facebook et Instagram, parce que on le sait là, très probablement, si vous avez votre entreprise, très probablement, vous n'avez pas une personne attitrée pour faire du marketing, très probablement, vous n'avez même pas les fonds pour payer une agence. Ça ne veut pas dire que votre entreprise ne va pas bien. Ça veut juste dire que votre temps, votre argent, vous avez des ressources limitées. On va le dire ça comme ça. Vous avez des ressources très limitées par rapport au développement des affaires. Puis, même si on vous dit qu'en général, le budget, là, c'est supposé être jusqu'à 30 % de de vos dépenses en marketing, là, c'est supposé être ça. Il y en a qui mettent 1 %, il y en a qui mettent 15 %, il y en a qui mettent 30 %, il y en a qui mettent 50 %.
Ça dépend de quel type de résultat que vous voulez avoir, puis c'est quoi les stratégies que vous voulez mettre en place. T'sais, on s'entend, si la seule stratégie que vous voulez mettre en place, c'est une stratégie de branding pour vos réseaux sociaux, ben, c'est pas en mettant 1 million de dollars que vous allez devenir up to the top, là. Par contre, 30% pour une compagnie qui est bien établie, mais ça pourrait être pour avoir une publicité qui va passer à la télévision parce que ça coûte très cher les spots publicitaires. Et la même chose sur les autoroutes, tout ça. Ça, c'est des trucs qui coûtent plus cher. C'est fou en plus parce qu'une pub, une pub à la télé en tant que telle, ça va pas plus fonctionner qu'une pub sur Internet parce qu'il y a beaucoup plus de trafic sur Internet que la télé ces temps-ci. Je sais pas pour vous là, mais moi j'ai même pas le câble de la télé chez moi. Fait que je peux pas vous dire c'est quoi les publicités et tout qui vont passer parce que ça me sert à rien. J'ai, mettons, j'ai mon PlayStation, j'ai Netflix, j'ai Disney+, j'ai Amazon Prime Video. J'ai déjà presque tout ce que j'ai besoin avec les streaming devices que j'ai. Fait que ça me sert à rien de regarder la télé en tant que telle puis payer genre je sais pas c'est quoi c'est 60 par mois 50 40 30 I don't know I don't care mais ouais c'est ça fait que tu sais ça coûte beaucoup plus cher mais généralement c'est ça aussi que les pubs à télé ils mettent beaucoup plus de budget pour que ce soit présentable beau puis que les gens ils se sentent attachés avec la pub c'est plus comme dans le temps où c'est juste des infomercials ça c'est de la merde Ah, il y en a encore, il y en a encore iou. y a des Mais chaînes de télévision que c'est juste des des infomercials. informations, ouais, ça je sais. Mais mettons, je pense que les seuls que je me rappelle, c'est le chamois puis le slapshot. C'est Ah juste parce que le gars, c'est une massive legend. ouais. J'adore le dude. Ben, pour revenir à ton truc sur la télévision, tu as raison, il y a plus de trafic sur Internet, mais la raison pour laquelle, parce que si c'était juste ça, ben, les compagnies y arrêteraient de faire de la pub. Alors pourquoi est-ce qu'ils continuent à en faire de la publicité? C'est parce que chaque poste, ben, en fait, non, plus précis que ça, chaque émission de télévision, chaque heure de diffusion, eux, ils connaissent exactement c'est quel type de personnes qui regardent D'avoir une mission, ouais. cette émission-là. Fait que c'est facile de cibler ton public. Fait que si c'est les personnes qui sont. Oui, c'est vraiment les personnes âgées, là, mais il y a certaines personnes qui sont moins favorables au développement technologique, puis qui sont plus conservatrices par rapport à ça. Ben, tu peux aller les chercher avec la télé. Il y en a plusieurs aussi, durant les émissions de grande écoute, là, tu sais, genre OD puis tout ça. Si tu Ouais, fais de la pub durant OD, coûte tes cher. chiffres vont être wow! Puis, fait que c'est ça. C'est pas un média qui est mort. Tu sais, Pas la encore, non. télévision, la radio, ça va pas mourir. C'est pas le journal. Le journal, ça fonctionne aussi. Ouais, c'est vrai. Pour certaines choses, ça fonctionne. C'est des médiums qui sont traditionnels. La seule affaire que moi, j'aime pas avec ces médiums-là, que ce soit la radio, que ce soit la télé, que ce soit la distribution dans les publics sacs ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'y a pas de chiffres vraiment précis. Là, oui, s'il y en a qui travaillent pour la télévision, vous allez me dire, ouais, on est capable de dire c'est quoi ton retour sur investissement selon le montant d'argent, puis quelle émission que tu vas le mettre. Oui, mais sur Internet, là, je sais que c'est ma tante, c'est quoi, Ghislaine que j'ai dit Je tantôt? pense que c'est Gissan, On sait que c'est ma tante Ghislaine à 3h04 et 55 secondes qui a cliqué sur ma pub, puis c'est pas vrai, on voit pas les noms, là, mais je veux dire, je sais que c'est une femme qui appartient à tel groupe d'âge, ma tante Ghislaine, elle a quoi, genre 65? Fait que, mettons, je vois que c'est une femme qui a 65 ans qui a cliqué sur ma pub sur Facebook, elle l'a cliqué exactement à cet endroit-là sur sa page, ça l'a emmenée sur mon site web, puis elle est restée sur mon site web pendant 1 minute 2 secondes, elle a cliqué sur telle, telle, telle affaire, sa souris, elle a fait tel déplacement, fait que je sais qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a eu comme intérêt. Tandis que quand tu mets ta pub sur un média traditionnel, il faut que tout soit top-notch. Parce que tu ne sais pas après qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Tu peux faire 2 fois la même pub puis avoir 2 résultats totalement différents. Puis tu es genre, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai eu ça comme résultat. Fait que c'est la seule affaire que je peux reprocher aux médias traditionnels. Mais ce n'est pas des médias des médiums qui sont proches de mourir ou qui vont mourir. Le journal, ça fait genre au moins 50 ans qu'on dit que c'est supposé mourir. Même chose avec la radio. Il va toujours avoir Non, c'est quelqu'un à sûr. quelque part pour écouter ça ou pour utiliser ça. Puis la publicité va faire pareil son effet. OK. Fait que Facebook, pourquoi est-ce que j'avais parlé des groupes? C'était pour contrebalancer le fait que Instagram,
C'est plus facile d'avoir un reach. Le reach, c'est d'aller atteindre plus de personnes avec ses publications. Normalement, quand vous postez quelque chose sur Facebook, en général, ça reste dans votre cercle d'amis, à moins que quelqu'un partage ou que un ami d'un ami clique sur like, puis que l'autre personne voit la notification, puis blablabla. Mais c'est un effet boule de neige qui part entre autres du cercle proche d'amis. Sur Instagram, c'est pas pareil. Oui. Puis aussi sur Facebook, des fois, tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le temps votre cercle d'amis, mais il y a déjà des fois, il y a des posts suggested for you, mais ça, c'est des posts qui ont juste super bien marché, qui ont bloqué beaucoup d'engagement, puis que Facebook vous pêche en face après pour le craze. C'est quelque chose qui arrive Ouais. rarement, puis quelque chose que tu peux pas parcourir ou choisir. Tandis que sur Instagram, tu as littéralement le tab parcourir, où est-ce que ça te montre toutes les affaires populaires dans ce type-là, blablabla, où tu peux même chercher les hashtags qui font montrer les publications dans ce genre-là, etc., etc. Puis en plus, Instagram, ils ont rajouté d'autres affaires comme IGTV, où est-ce que tu peux mettre t'as comme une section TV, où est-ce que tu peux regarder les affaires. T'as, comment ça s'appelle, je pense que c'est Fleet, Instagram Fleet, ou c'est Pas Reels. Reels, Twitter c'est Fleet, puis Fleet c'est pour les stories, je pense, puis c'est Twitter ont rajouté des stories 7 ans plus tard. Mais ouais, c'est ça, c'est Reels qui est basically TikTok. En fait, c'est même pas basically TikTok, c'est TikTok là. Ils ont juste, à chaque fois que je suis sur, que je m'avais jeté un coup d'œil sur comment ça se passe sur Instagram Reels, c'est des reposts de TikTok. Mais tu sais, il y a plein. L'affaire, c'est qu'il y a tellement de trucs audiovisuels disponibles sur la plateforme pour vendre votre produit. Les outils sont peu limités pour ça. Donc, puis justement avec les influenceurs, tout ça qui font la promotion de produits, etc., ben c'est vraiment la plateforme pour la majorité des produits. Tu sais, il y a certains services, tout ça, qui vont être mis sur Facebook. Comme on a dit tantôt, il n'y a pas de formule secrète. Donc, ça dépend de votre produit, votre marché, etc. Mais majoritairement, pour la vente de produits, surtout, je sais pas si vous avez vu ces temps-ci, le craze avec le raise des masques, dropshipping, tout ça. Il y en a une chier, les publicités, tout ça sur Instagram. Je sais pas pour vous, moi j'en ai eu beaucoup. Puis j'ai, en tant que tel, j'ai pas été nécessairement regardé. Ouais, ben moi le point que je voulais soulever, c'est que sur Instagram, en fait, si ton entreprise a fit avec Instagram, si ton marché cible fit avec celui d'Instagram, tu peux aller chercher un marché plus grand grâce aux mots-clés. OK? Les hashtags, là, ça commence avec Facebook, mais t'as pas autant de reach avec des hashtags Facebook que les hashtags sur Instagram. Le commentaire global là, pour clore cette discussion-là, pour ce problème-là, c'est que si tu te demandes quoi choisir entre Instagram puis Facebook, choisis les deux. Parce que Facebook a Instagram. Fait que si tu décides de faire de la publicité payante, ta publicité nécessairement va apparaître sur Instagram. Fait que t'es mieux d'avoir déjà une page sur Instagram, t'es mieux d'avoir déjà des produits qui sont mis dans ta boutique. En fait, les produits de ta boutique sur Facebook sont remis sur Instagram. Fait qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. C'est la même compagnie maintenant. Ils font leurs affaires ensemble. C'est comme des très bons amis. Je sais pas comment le décrire. C'est weird, Mais. mais non, ils deviennent même plus que des amis, là. Comme là, mettons, Instagram, ils ont merge avec Messenger, là. Je sais pas trop qu'est-ce que ça change. Pour vrai, la seule chose que j'ai remarqué maintenant, c'est que les reactions sur Instagram, tu peux mettre quelque chose d'autre que le cœur. Mais Ouais, j'ai pas vu vraiment de non, non différence par plus. rapport à ça. Mais ils essaient de plus en plus de tout merge ensemble, les deux plateformes, là. Puis je sais pas si vous avez remarqué aussi, quand vous ouvrez Instagram maintenant, c'est Instagram by Facebook. Avant, il n'y avait pas le by Facebook. Ouais, Même ça fait chose. au moins un an. Donc, il y a plein d'affaires comme ça. Ils essaient vraiment de combiner les deux ensemble le plus possible. Mais Puis. je trouve ça weird de Facebook de faire ça, une petite parenthèse de même, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais auparavant, dans un univers passé, un temps passé, Facebook, ben, il n'y avait pas de Messenger. Messenger, il était intégré à Facebook, puis ils ont décidé de faire genre schlack, puis d'avoir et Messenger et Facebook. Puis là, ils sont genre, ah, finalement, on va peut-être les remettre ensemble. T'sais, je sais pas si tu te rappelles, mais ils forçaient les gens à downloader l'application. Ouais, mais moi je trouve que c'est super smart d'un côté, par exemple. Parce qu'après Ouais, mais ça. pourquoi est-ce que maintenant ils veulent remerge tout ensemble? Ah, oh, mais ils vont pas remerge tout ensemble pour de vrai, là, mais c'est.
Il essaie de le faire le plus possible sans nécessairement que les trois soient la même chose. Parce qu'il y a toujours Ouais, des personnes qui mais. vont préférer aller sur Instagram que sur Facebook. Si, mettons, Facebook et Instagram sont sur la même application, ça va être juste dégueulasse. Dog shit, art, poupou, caca. Mais. ouais, mais pour vrai, je trouve que c'est smart le fait qu'ils ont séparé Facebook Messenger. Parce qu'en tant que tel, c'est la même communauté qui allait sur les deux. Mais après ça, ils peuvent dire on a deux applications de réseaux sociaux. Puis les deux, ils ont plusieurs milliards d'utilisateurs par année, whatever. Fait que si vous regardez récemment, mettons, vous allez voir n'importe quel site web pour genre les top 10, je sais pas, les top 10 réseaux sociaux avec le plus de personnes qui se connectent, whatever, de personnes qui se connectent, whatever, ou d'individus qui utilisent ces applications-là, ben vous allez voir que Facebook Messenger puis Facebook, c'est deux places séparées, mais dans le top top du top 10. Fait que, tu sais, ça leur donne une plus grande base de données en tant que telle. Ils peuvent plus. Je vais le dire dans un terme commun, ils peuvent plus le flex. Ouais, non, ça je comprends, là, mais en tout cas, bref, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils essaient de tout merge, parce qu'ils ont tout slice up, ils ont tout découpé les services, puis maintenant, tu sais, ils me disent genre, ah, tu veux-tu intégrer WhatsApp ou intégrer tes textos à Messenger? Ok. Non! Ok, attends. Je vais essayer quelque chose de super brain dead comme analogie. T'as-tu déjà coupé, mettons, avec des ciseaux? Puis après ça, mettons, avec tes ciseaux, t'as comme trop coupé, puis t'as fait ah shit, puis t'essayes de comme leur collègue du tape. C'est genre ça, on dirait qu'ils essaient de faire en ce moment. Je comprends. Alright, est-ce que tu avais un autre mythe juste de même? Parce que je sais que ça a pris quand même pas mal de temps. On a parlé de plusieurs mythes à l'intérieur d'une seule question qu'on a eue. Mais est-ce qu'il y en avait d'autres par rapport à genre Noël que tu voulais quick-quick? Tu sais, on peut peut-être essayer de faire genre un speedrun de mythes. Ok, ben mythe, il est jamais trop tard pour faire tes pubs de Noël. Ben il est un peu Ah. trop tard. Attends, il est un peu trop tard, ok? Parce que t'as la compétition peut-être Baba qui ont déjà commencé, puis si tu commences avec la production à base, c'est sûr que t'aurais dû commencer plus tôt. Mais il est pas trop tard en tant que tel. T'as toujours le temps. Noël est encore en début décembre. Ouais. It's not really too late. It's late, but not too late. Ouais, il est genre minuit moins deux, là. T'sais, Not too late, not too late, not too late. ouais, not too late, mais en tout cas. L'autre affaire aussi, quand il y a un haut volume de vente, ça ne veut pas nécessairement dire que si vous mettez de l'argent dans votre publicité, vous allez avoir plus de retours. Okay? Fait que présentement, c'est le temps des fêtes. Là, vous vous dites, les gens y achètent pour le temps des fêtes. C'est pas parce que c'est le temps des fêtes que ça va vous coûter moins cher pour aller chercher de la clientèle. Au contraire, ça Même qu'à coûte plus cher. l'inverse, ça va vous coûter plus cher pour aller chercher de la Ben oui. clientèle. Je sais pas si vous savez, mais Facebook, tout ça, les publicités, ça marche comme des enchères. Fait qu'une fois qu'après ça, il y a beaucoup de monde qui en achète, ben les prix vont monter. Puis ben, tada, le temps des fêtes. Puis l'affaire en plus, c'est que non plus, tu sais, on dit souvent on fait des pubs de Noël, blablabla, mais ça, tu sais, on l'a dit je sais pas combien de fois aujourd'hui, ça dépend de votre produit, ça dépend de votre service, blablabla. Votre service produit, peut-être qu'il va pas nécessairement bénéficier là, dans des fêtes en tant que tel. Peut-être que ça, vous pour vous ça reste la même chose, blablabla. Peut-être que même pour vous c'est pire, je sais pas moi, parce que vous vendez des citrouilles, vous appelez Peddle Cool Inc. Fait que pour vous le temps de Noël là, ça vous sert absolument à rien, vous gardez votre budget pour faire des publicités en septembre l'année prochaine pour vendre d'autres citrouilles. Ouais. Mais fait que c'est pas toujours utile non plus de faire des campagnes de Noël. Mais l'affaire après ça, c'est que d'un côté, si votre budget est très limité, c'est sûr que ça vaut peut-être pas la peine d'investir là-dedans pour le temps des fêtes, ben d'investir plus là-dedans pour le temps des fêtes. Mais l'affaire aussi qu'il faut que vous gardez en tête, c'est que les gens généralement, ils vont pas non plus juste tomber. C'est pas nécessairement un rapport avec votre produit, mais avec votre branding. Donc, une fois de si vous voulez que les gens s'attachent à votre entreprise, blablabla, ben il faut que vous soyez partout, puis il faut que vous soyez dans toutes les fêtes, événements, blablabla. Donc, tu sais. Quand on parle de Noël, là, il y en a plein des affaires qui sont utiles. Regarde, on a vu une affaire de Temptation la dernière fois, des gâteries pour chat. On s'entend que le rapport entre des gâteries pour chat et Noël en tant que tel, ben, il est pas vraiment là. Ben, ils ont réussi à faire, mettons, un entre-deux, comme, ah, regarde, le chat joue avec le sapin, Camelot avec ça.
Donc, il y a tout le temps une solution, même si votre produit en tant que tel, il ne fait pas Noël ou whatever. Il y a tout le temps, comme j'ai dit, dépendamment de votre budget, il y a tout le temps quelque chose que vous pouvez faire par rapport à ça. Vous pouvez toujours contourner la zone de mire. Oh my god, j'allais dire. Quoi? Non! Non! J'allais dire un truc à la genre. Attends, c'est quoi l'expression que tu dis déjà? Je sais même pas si c'est une vraie expression. Contourner la zone de mire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, Contourner je les. sais pas, j'ai comme. Bypass les lois? Qu'est-ce Je sais pas, j'ai comme eu un bug au cerveau en même temps de parler. Écoute, ça c'est les 2 heures de sommeil qui rentrent en jeu. Mais, ouais, fait que c'est ça, mais il y a toujours des manières de bypass, on va dire, le système ou whatever, avec vos produits. Comme, écoute, il y a des compagnies qui essayent, Hellmann's avec la cuillère de Père Noël qu'on a vu aussi la dernière fois. Ils ont essayé au moins. Ils peuvent pas savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas s'ils ont pas essayé. Ils l'ont sûrement mis sur Facebook, ils ont vu que c'était. Peut-être que ça a fonctionné, peut-être que c'est la grosse merde, je sais pas, j'ai pas vu leurs statistiques, leur analytique, mais. Whichever, be creative with your Christmas pub, puis c'était quoi le mythe? J'ai oublié. Je sais pas. Il a parlé beaucoup trop longtemps pour un mythe qui était supposé être ton. Moi, je vais t'en shooter un vraiment rapidement. Ben, en fait, je vais t'en shooter deux même. Une publicité, ça peut ne pas coûter cher. Okay? C'est pas en mettant plus d'argent que ta publicité va avoir plus d'effet. Puis, c'est pas non plus en mettant trop peu d'argent que tu peux espérer faire des ventes. Je te dis ça vraiment rapidement. Oui. Si tu veux avoir plus d'informations sur comment est-ce que ça se passe, créer une pub pour que ça soit efficace, je t'invite à nous suivre le 22 décembre, mardi, dans 2 semaines. On va créer Ah oui, une c'est vrai. pub Facebook ensemble, en live, puis Je on vais va vous avoir montrer comment 21 ans en plus. Oup, oup. On va fêter mes faire. All right! 21 ans ensemble, tout le monde. Ça va peut-être être ça, la pub. Fait que si vous avez des idées de publicité qu'on peut faire, shooter ça, puis on va mettre ça de l'avant. Mais dans le fond, pour faire quick-quick, là, si tu mets trop d'argent dans ta publicité, mais que t'as pas déjà une base de communauté qui est déjà établie sur ta page Facebook ou sur n'importe quel média, là, si t'as pas déjà une communauté présente, communauté, on s'entend, là, faut que tu aies plus que 50 personnes. Anyway, faire une pub en tant que telle, ça sert à rien de mettre tout votre argent sur une pub en tant que telle. C'est mieux d'avoir un gros, ben pas un gros montant, mais d'avoir le même montant puis le disperser en plusieurs publicités différentes. Je sais pas si vous avez remarqué, là, la plupart des grosses compagnies qui ont beaucoup de présence sur Internet, là, si vous allez sur Facebook Ad Library, ils ont genre une vingtaine, trentaine de publicités différentes qui circulent les 30 en même temps, mais qui n'ont pas nécessairement le budget le plus fameux. Ben, c'est justement pour qu'il y ait la diversité, blablabla, pour voir qu'est-ce qui fonctionne. Ben, ils ont des targets différents, puis tout ça, puis ils testent qu'est-ce qui fonctionne plus, qu'est-ce qui fonctionne moins. Puis après ça, ils changent les affaires, puis t'sais, ça continue de même, juste qu'est-ce que les pubs soient complètement optimisées, puis ils commencent à dépenser moins d'argent dessus, à la place de faire, bam, 50 $ sur le verre dans la roulette, puis genre espérer que ça fonctionne. C'est exactement ça. Puis dans le fond, les publicités, si vous regardez les géants, ça va peut-être vous étonner, mais en général, les publicités, ça tourne autour de comme 150, 200, 250 $ de la publicité. Là, vous vous dites, oh my God, c'est tellement pas cher la pub, waouh, je peux en faire. Ouais, mais keep in mind que Coca-Cola, il n'y a pas juste une pub à 150 $, il y en a genre peut-être 150 pubs qui roulent en même temps, peut-être pas 150, là, mais peut-être au moins une vingtaine. Juste la SAC. Je me trompe tout le temps. La SAQ, la Société des alcools du Québec, Moi j'appelle ça eux autres. la sac aussi, je comprends pas pourquoi le monde y appelle l'autre la sac. Non, pour moi c'est la sac, l'autre. Ça, La yeah. En tout sac. cas, bref, il y en a un parce que tu conduis, puis l'autre où est-ce qu'il faut pas que tu conduises après avoir visité cet endroit-là. Moi je te parle de celui-là. True. Okay? Fait que la Société des alcools, eux, ils font au moins 15 pubs par mois. Ouais, où c'est des pubs qui continuent over and over. Puis les budgets, on connaît pas les budgets, là, mais c'est des budgets qui sont pas super élevés nécessairement. Mais au total, ça donne quand même un budget élevé. La raison pour laquelle mettre un gros budget, c'est pas recommandé si vous n'avez pas de communauté. Ça nous est arrivé avec un de nos clients qui ne nous écoutait pas. Dans le fond, quand on a mis de l'argent, on a eu des résultats là, insane. Okay? On avait un coût par clic qui était à 60 sous. 60 sous, là, si vous êtes capable d'atteindre ça par vous-même sans faire d'optimisation,
Je m'en viens chez vous avec un masque à 2 mètres de distance, puis je vous serre la main pour vous dire félicitations, t'es un génie, OK? Mais, Parce que en là, général, mais le serrage de main, il est à 2 mètres de distance. à 2 Là. mètres, à 2 mètres de Il distance avec vous. y a des gants, il y a du Purell dessus. Fait. On a compris. Le but là, de ce que je veux dire, c'est que les résultats qu'on a eus, ils étaient très bons, voire excellents. Par contre, quand les personnes arrivaient sur la page puis qu'ils remarquaient que ben, il y avait genre deux images sur la page, évidemment, la compagnie, ça ne faisait pas partie du contrat. Nous, on gérait pas la page, on faisait juste la publicité puis la gestion publicitaire. Quand les gens arrivaient sur la page puis qu'ils voyaient qu'il y avait genre deux images puis que la page était genre boboche, il y avait genre 50 personnes, même pas, il y avait genre 30 personnes qui likaient la page. La dernière fois que j'avais vu, il y en avait 14, moi. 14? Ok. Ça a peut-être monté depuis le temps, là, mais il y en avait comme 14. Il n'y avait aucune publication, rien. Je pense que les informations étaient même pas complètes. Je pense qu'il n'y avait même pas un lien vers le site web. Je suis pas certain. Ça se peut qu'il y en ait un. Ça fait que ça, c'est tout des red flags pour la clientèle quand ils cliquent sur une annonce. Puis quand ils voient ce genre d'affaires-là, ben ça fait en sorte que tu perds ta vente. Oui, Si quelqu'un peut cliquer, puis après ça, faire... Avant de mettre de l'argent sur la pub, là, si vos ventes sont basées sur Internet en tant que tel, okay, ben avant de commencer à faire de la publicité sur les réseaux sociaux, il faut avant que vous optimisez votre chemin justement jusqu'à pour l'acheteur pour que ce soit plus facile possible. Parce que tu sais, ça me tente un acheteur qui est intéressé par ton produit, puis que toi il voit ta pub, blablabla, puis que ça il prend pour acheter ton produit, il doit faire trois fois le tour d'un compte, 4 push-ups, après ça il fait un backflip, prendre sa douche, prendre un café, regarder un film FIFA, puis regarder un film sur Netflix, puis exactement à 2h43 et 43 secondes il doit faire pause, puis après ça, ah ok cool, le produit est acheté. Ben, oublie ça, ta pub va servir à rien parce qu'il va cliquer sur ton site et va faire fuck that, I'm out, puis il va partir. Là. C'est ça, exactement. Fait que c'est important. Ben, c'est pour ça que mettre trop d'argent dans tes premières publicités, c'est pas une bonne idée parce que c'est l'équivalent de donner un coup d'épée dans de l'eau. Ça sert à rien. Genre, oui, à ok, tu vas avoir oublier des ton épée peut-être. Par contre, faites attention, ok? Je dis pas nécessairement de faire affaire avec nous. Si vous voulez faire affaire avec nous, tant mieux. On va vous aider, ça va nous faire plaisir. Nous, on est transparents, puis on vous donne tous les chiffres que vous avez besoin. Par contre, c'est pas tout le monde qui est comme nous autres, ok? Il y a plusieurs compagnies que vous allez avoir de la publicité. Surtout, là, je parle aux entrepreneurs qui regardent la vidéo. Les entrepreneurs qui regardent la vidéo, je vous connais, puis je sais que sur votre Facebook, votre timeline, vous avez juste ça, des compagnies qui essayent de vous harceler pour vous vendre des gugus puis des services. Les compagnies en marketing, il y en a énormément, puis la plupart, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous donner un prix super élevé, ils vont rajouter des frais bizarres, puis en plus de ça, ben, vous allez devoir payer, débourser un certain montant pour la publicité, ce qu'on appelle le budget média. Puis, en tout et partout, ils ne vont pas faire d'études de votre dossier. Là. Ils ne vont pas regarder si vous avez que vous ayez deux personnes qui sont abonnées à votre page ou que vous en ayez 10 000, eux autres, ils s'en foutent. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que vous allez mettre votre budget, ils vont vous suggérer de mettre 500 $, which is true! 500 $ par mois dans une campagne, c'est excellent, c'est super bon, mais pas comme première publicité, surtout pas quand ta page n'est pas optimisée. Parce que ça fait en sorte que, oui, ta publication, il va peut-être avoir genre 15 000 personnes qui vont la voir. Il y en a genre 10 000 sur les 15 000 qui l'ont vu, qui vont cliquer dessus, mais tu vas avoir zéro résultat. Fait qu'eux, ils vont dire, oui, mais c'est pas de notre faute, c'est de ta faute. Nous, on a apporté les résultats. Faites attention à ça, OK? Je vais pas nommer de nom ni parler de certaines compagnies, mais faites attention à ça, c'est super important. Gardez en tête combien d'abonnés que vous avez, puis le nombre aussi, ça veut rien dire, parce que sur Facebook, c'est la communauté. C'est... Hein? Ben, tu peux avoir des bots. Ah, tu peux avoir des bots, mais moi, je parle aussi des vraies personnes. Il faut que ces personnes-là interagissent à chaque jour presque avec votre contenu. Si vous publiez seulement une fois par année sur votre page, vous avez beau avoir 10 000 personnes qui sont abonnées à votre page, ça sert à rien. Il va peut-être avoir 3-4 personnes seulement qui vont voir la publication. Ça sert à rien aussi qu'il n'y ait pas d'engagement, on va se le dire. Là. On a tous fait des trucs chez Lee quand on était plus jeune. Là, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais mon YouTube channel. Puis pour atteindre, j'ai comme, j'étais fier, comme, waouh, j'ai atteint 500 abonnés sur mon YouTube channel. OK,
Qu'est-ce que j'avais fait? C'est que j'avais été sur un site internet qui s'appelait Subscriber Train. Je vais entrer dedans, puis ça faisait en sorte que je m'abonne à 10 personnes, puis il y en a 10 en retour qui s'abonnaient à moi. Moi, ils s'en foutent, ils voulaient juste avoir plus d'abonnés aussi sur ce site-là, fait que c'est straight up du follow for follow. Mais ils savent même pas je suis qui, ils savent pas c'est quoi, j'ai même pas eu une interaction avec eux, blablabla. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai comme 500 subscribers, mais j'ai comme un view, puis c'est peut-être ma mère qui a regardé par pitié, genre. C'est Fait ça. que. C'est plus la même chose. Avant, avoir 5 millions de followers, c'était, tu sais, ça donnait un statut, une crédibilité sur la Exactement. page. C'est sûr que si tu as zéro personne ou deux, trois personnes qui sont abonnées, ça marche pas. Mais tu sais, tu peux t'en tirer avec comme 300, 400 personnes qui likent ta page. L'important, c'est qu'ils interagissent. Ça peut même être un problème avoir trop d'abonnés. Comme un temps, il y a beaucoup de YouTubers qui ont entre 5-10 millions d'abonnés. Puis après, si tu vas regarder une vidéo, puis c'est comme, ah, il y a comme une moyenne de 10 000, 15 000 vues par vidéo, c'est triste. Fait que, après ça, t'es comme, bon, ben, il a mal optimisé sa chaîne, blablabla, il a pas écouté sa communauté, ou il a peut-être fait quelque chose de pas correct, blablabla. Fait que, finalement, son 5-10 millions, c'est rendu plus quelque chose de décevant qu'une bonne chose en tant que telle. C'est ça, exactement. Il est rendu 7h07, on est déjà Il est 7 minutes rendu borderline. 7h07. Fait que, yep, ben, c'était la fin de démystifions les mythes 2020, emoji lit, SAO 100. On est là pas mal toutes les. En fait, pas mal. On est là tous les mardis 18h pour justement le mardi marketing. Et la semaine prochaine, c'était quoi déjà le sujet de la semaine prochaine? Puis je pense qu'on avait eu un invité spécial en plus. On a un invité spécial la semaine prochaine. Donc, on a un marketeur qui va venir nous rejoindre qui s'appelle Pascal Cadorette. Pascal, c'est. Ben, je ne veux pas en parler trop, là. Il Ben, va, il va, il va, il va se self-promote quand il va être là. il va se self-promote. Mais dans le fond, on va parler c'est un top 5 qu'on va faire. Donc, un top 5 des meilleures pratiques marketing en temps de haute compétition. Oh, moi, je vais sûrement juste Which is écouter. maintenant. Ben non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce que ton design, ça vient jouer quand même True, true. dans le processus d'une élaboration d'une stratégie. Quand même vrai. Fait que c'est ça, fait que Pascal, il va venir nous jaser de ça. C'était pas mal tout pour nous aujourd'hui. Dans 2 semaines, on avait dit qu'on allait faire notre propre publicité, c'est ça? Qu'on allait en faire une. Ben, pas notre propre, mais qu'on allait en designer en live. T'as-tu des idées? Genre, tu veux vraiment faire une pub ou tu veux qu'on fasse quelque chose de complètement stupide? Probablement une vraie pub pour que ça fonctionne puis qu'on montre vraiment aux gens. Parce que dans ma tête, j'étais en train de m'imaginer Rupert comment je dessinais. Rupert, il va rester mort et enterré. Non! Oh, arrête là, il est même pas. Wow! Il est loin dans notre Instagram. Si vous savez pas c'est qui Rupert, allez voir sur notre Insta à commercial Inacceptable. handshake QC. Moi, je te dis, un Puis jour, on va avoir notre écureuil de combat. un jour peut-être. Non, pas peut-être. Qu'est-ce que. Fait que c'était. T'as quelque chose à dire avant qu'on finisse? Ben, tu avais posé la question de la publicité, on fait quoi là, dans 2 semaines? Ah, Moi, je veux qu'on fasse on va figure out de même, on va figure out de même. Puis au pire, on en reparlera la semaine prochaine pour les gens qui sont un. Ouais, ben, je sais pas en fait qui qu'est-ce qu'on écoute va pas. faire. Mais Qui écoute pas. je sais pas qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on peut peut-être essayer de faire un format un peu plus long. Tu sais, se prendre. Soit on commence à 6 pareil puis on continue un peu plus long. Ou si on commence un peu avant pour qu'on puisse faire genre de A à Z. Tu sais, qu'on fasse comme le design puis la publicité qui se met en marche. Parce que ça prend quand même un peu de temps de faire le design et tout ça. Yep. Fait que c'est ça. On verra. Si vous avez des idées, des On suggestions de verra pub, bien. envoyez-les. Puis. Et on se serre la main pour la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Ciao, ciao!